I remember I was doing an interview with someone, a young lady, and she said, "So, I really want to understand who you are." And I said, "Okay." I said, "Well, I'm a Scientologist." And she goes, "Yes, yes, yes, no, but I want to understand who you are." I said, "No, no. You better read about, you know, go read about what Scientology is." And she said, "Well, no, no, but I want to know who you are." I said, "No. I'm a Scientologist." Cette image de Tom Cruise prêchant pour l'église de Scientologie, tout le monde peut y avoir accès sur Internet. Le tabou a fini par tomber. Cela n'est plus un secret. L'acteur est devenu ce que la secte voulait, le meilleur de ses ambassadeurs. Certains évoquent même le fait que dans sa hiérarchie, il serait devenu le numéro 2 de l'église. Un statut et un prosélytisme qui vont finir par l'affaiblir à Hollywood. Durant des années, Tom Cruise a donc été formé, éduqué au secret. Aujourd'hui, sa vie, sa femme, ses enfants, plus rien n'échappe à la culture scientologue. Mais alors, d'où vient cette obsession mystique? Comment Tom Cruise, la star, a enfilé le costume du prophète? Commençons par ces quelques mots que vous venez d'entendre dans la bouche de l'un des acteurs les plus connus au monde. Ils ont été prononcés il y a quelques années. Tom Cruise venait d'être récompensé. Récompensé? Mais pourquoi? Nous sommes le 30 octobre 2004. Dans ce manoir appartenant à l'église de Scientologie, se tient aujourd'hui l'un des plus grands rassemblements annuels de la secte. Cette année-là, Mark Hedley participe à l'organisation de l'événement. Chaque année, la Scientologie organise plusieurs conventions. Et celle-ci, c'est la seule où tous les adeptes européens sont réunis. Sur l'estrade, pour animer la soirée, le grand maître de la Scientologie, David Miscavige, leader incontesté du mouvement depuis maintenant plus de 20 ans. Et chaque année, lors de cette convention, on récompense un ou deux scientologues par une médaille. Et il faut être un scientologue extrêmement dévoué pour obtenir cette médaille. We now come to the final award for this evening. It is my honor to present our first Freedom Medal of Valor to the most dedicated Scientologist I know. Dès lors, apparaît sur l'écran géant un clip monté sur la musique de Mission Impossible. Le grand vainqueur cette année s'appelle Tom Cruise. Tom Cruise has introduced LOH technology to over 1 billion people of Earth. David Miscavige a passé 2 semaines dans une salle de montage pour préparer ce film. Chaque détail de cette vidéo a été supervisé par David Miscavige. Moi, je préparais des graphiques pour ces événements. On avait plein de courbes statistiques. Over every minute of every hour, someone reaches for LRH technology simply because they know Tom Cruise is a Scientologist. Un message de propagande reposant sur des statistiques impressionnantes, mais qui ne correspondent à aucune réalité. Quand les vrais chiffres chutaient, on me donnait l'ordre de les faire remonter. Il fallait que tout le monde soit convaincu et que ça impressionne à l'écran. Alors je l'ai fait. David Miscavige a eu une idée. Il voulait entendre Tom Cruise parler de Tom Cruise. Talk about Tom Cruise. I'm a Scientologist. I think it's a privilege to call yourself a Scientologist, and it's something that you have to earn. Effectively change people's lives. They said, so, like, have you met an SP? Pour les scientologues, c'était la meilleure vidéo jamais réalisée. Parce que Tom Cruise, c'est de loin le plus célèbre, le plus grand, le meilleur, le plus incroyable des scientologues. Scientology is someone who can look at the world and really see what it is. Not only look at it and see it, but be able to go and be effective and do something about it. Ils se croient plus futés, plus intelligents. Ils se prennent pour les êtres supérieurs de la planète. Why ask permission? We are the authorities. Miscavige a ordonné à tous les adeptes de regarder encore et encore cette vidéo de Tom Cruise parce qu'il voulait que tout le monde prenne exemple sur Tom Cruise. Et pour clore cette étrange soirée, David Miscavige a réservé une jolie surprise à ses fidèles. Celui qui vient de s'adresser à eux sur l'écran est finalement là. Tom Cruise, le meilleur d'entre eux, est accompagné de sa mère et de sa sœur aînée.
Ses sœurs sont scientologues. Il les a toutes fait rentrer dans le mouvement. Sa mère aussi est une scientologue assidue. Quand on a vu que Tom Cruise avait fait le déplacement, c'était incroyable pour les scientologues. Il était venu jusqu'ici, en Europe, pour recevoir sa médaille. C'était le meilleur gala de tous les temps. Ils ont fait le salut militaire, c'est vraiment propre à la direction de la scientologie. C'est le geste le plus respectueux que Tom Cruise pouvait faire à David Miscavige. David Miscavige et Tom Cruise sont unis comme les doigts de la main. Ils sont identiques, ce sont les mêmes. Compétitifs, agressifs, perfectionnistes, ils veulent tout contrôler. Tom Cruise n'a jamais été récompensé comme comédien. Alors, lorsqu'il reçoit une médaille spécialement créée pour lui, il semble particulièrement ému. Ça devait être la plus grosse médaille, la meilleure, la plus belle, la plus chère. Ça nous a pris 2 semaines pour la concevoir et la dessiner. On y a incrusté les plus belles pierres précieuses. I think you know that I am there for you. And I do care so very, very, very much. So what do you say, we need to clean this place up? Yeah! Êtes-vous prêt à nettoyer le monde? Voilà ce que Tom Cruise proposait il y a seulement 5 ans aux adeptes de la scientologie. Discours et images troublantes, la réalité semble ici dépasser la fiction. Alors comment Tom Cruise en est arrivé là? Au départ de tout, il y a toujours dans ce type d'engagement des blessures, des failles. Et pour découvrir celle de Tom Cruise, il faut dans un premier temps revenir quelques années en arrière. Nous sommes en 1983. Tom Cruise a 21 ans et il vient de décrocher son premier grand rôle au cinéma. Risky Business est vraiment le film qu'il a lancé sur la route de la célébrité. Tom Cruise est devenu une véritable star partout dans le pays. Son rôle, un jeune homme ambitieux et sûr de lui. Il devient immédiatement l'idole de toute une génération. Vous savez, les gens rentraient dans une pièce et commençaient à danser comme dans Risky Business. En fait, ils étaient en train d'imiter Tom Cruise. Il était frais, il était naturel, il était vrai. Il est l'image du petit jeune sorti de rien et qui est une star, et ça, les Américains, ils adorent. Et je pense que Tom Cruise, il incarne le rêve américain. Dès lors, toutes les télévisions rêvent d'obtenir sa première interview. Et le 7 janvier 1984, c'est la journaliste Rona Barrett qui va la décrocher. Il y avait déjà énormément de demandes pour l'avoir sur tel ou tel plateau. Et pour le convaincre, j'ai dû user de toutes mes relations qui étaient dans son entourage. The two movies that you've just done have catapulted you a certain kind of success. Do you think that something like that could happen to you? Sure, I think it's in anyone. I mean, interested in my personal growth, what's going to make me happy. Tout de suite, j'ai pensé qu'il avait ce qu'on appelle du charisme, la façon avec laquelle il bougeait, il parlait. Mais derrière cette assurance naturelle se cache en fait une grande fragilité. Et dès cette première interview, Tom Cruise va révéler ses failles.